Nous avons, ou plutôt, vous avez largement parlé d'Antigone, Georges Steiner et Pierre Boutang. Et je voudrais vous dire, ça serait sans doute une bonne introduction au dialogue que vous allez avoir cette fois-ci, à la fois passionné et fasciné par votre discours, je ne pouvais pas m'empêcher à certains moments de ressentir des réactions parfois un peu violentes. Je veux dire par là que j'ai été frappé, et puisque vous voulez parler d'Abraham aujourd'hui, sans doute est-ce que cela va revenir sur le tapis, j'ai été frappé de voir comme, pour parler de l'actualité d'Antigone, vous avez très largement parlé, par exemple, de ce qui s'était passé au Cambodge avec Pol Pot, mais que par contre, ce qui s'était passé, je dirais, dans la première moitié de ce siècle, c'est-à-dire la barbarie nazie, en fin de compte, on a assez légèrement glissé dessus, on n'a pas véritablement parlé, alors qu'il me semble que d'une certaine manière, là aussi, quand même, Antigone aurait sacrément son mot à dire et avait son nom, peut-être, à hurler à la face du destin. Personnellement, par exemple, dans cette sorte de, je dirais pas de réhabilitation, mais enfin de défense de la mémoire du maréchal Pétain, peut-être parce que je fais partie d'une famille dont les gens de Vichy les ont dénoncés à la Gestapo et j'ai échappé au camp de concentration par miracle, j'avoue que là j'ai quand même énormément réagi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, le nom d'Antigone, il était autre part. Vous voyez bien où je pense qu'il était. Oui, brièvement, premier point, il est faux que nous n'ayons pas parlé, nous y pensions tout le temps. Mais étant donné qu'il y a une certaine actualité, des histoires hitlériennes, notre ami a écrit un très beau livre, Le transport de Hache, sur cela, qui ferait d'ailleurs un beau film. Ensuite, j'ai cité un texte, mais il était de Maurras, qui était décisif sur la barbarie hitlérienne et qui disait le pire, le maximum qu'on puisse dire. Mais c'est de Maurras, faites un procès après coup. Non, vous êtes obligé de dire, c'était ainsi. Ensuite, le fait d'avoir été presque en camp de concentration, moi aussi, Rebattet a failli m'y faire remettre par Rebattet et ses amis quand je suis venu en fraude à Paris. Hein, parce que c'était pire pour eux, même s'ils n'en étaient pas résistants officiels, de n'être pas de leur parti. Donc le clan collaborationniste haïssait Vichy autant que vous le détestez. Et le maréchal Pétain, c'était pour eux la haine. Donc ces vieilles histoires ne m'importent plus. Et j'espère qu'elles ne nous importent pas beaucoup, car nous avons tous risqué, nous avons tous eu dans nos familles, ou parmi les gens que nous aimons, des gens qui ont couru le risque de la mort et de l'horreur, qui est le risque constant d'aujourd'hui. En général, je ne supporte pas qu'on allègue les misères de sa famille ou les choses qui sont arrivées. Non. Je me refuse en principe. Mais puisque vous l'avez fait, je dis, vous avez bien fait de le faire, je vous en remercie, ça m'a éclairé, mais c'est une chose que d'habitude je garde pour moi. Je voulais dire un mot pourquoi je suis ici. Dans tout ce que j'écris, tout mon enseignement, toute ma pensée, le mot est trop prétentieux, tourne autour de la catastrophe du peuple juif et du monde d'Auschwitz. Nous l'avons peut-être pas assez évoqué. Boutang aurait le droit de citer Antigone, même, et pas Créon, quand Antigone dit « on ne poursuit pas une vengeance au-delà de la mort ». C'est un problème très difficile. Puisque comment est-ce qu'on rattache cela à la soif de la justice, à la demande que justice soit faite, c'est autre dont peut-être nous parlerons beaucoup au sujet d'Abraham et d'Isaac. Je veux dire une chose en toute franchise, c'est des choses qu'on dit très rarement à la télévision. Mais allons-y, prenons les risques. Boutang a dit, à la première heure, nous sommes seuls. Soyons seuls avec vous un instant. Je me dis, comment est-ce que tu te serais comporté lorsqu'ils seraient venus à la porte, les tueurs, et les gens qui te suivent partout, et la milice, et les camelots du roi, et les croix de feu, et M. Larocque, il dirait, on va te rosser, et puis après, pire, on va te gazer. Bon. Est-ce que je hurlais, ayez pitié de moi, est-ce que j'aurais trahi tout le monde? Je ne sais pas. C'est une connaissance qui me fait affreusement défaut. Je ne sais rien, si j'aurais eu le moindre velléité de courage et d'orgueil. Il se trouve, et voilà les choses qu'on ne dit jamais, mais nous allons aborder des choses tellement essentielles qu'il faut dire l'essentiel. Il se trouve que j'ai toujours eu une chienne, maintenant, une jeune, la vieille, que j'adore. Il y a là quelque chose de très troublant, autre émission qu'un Wagner, un Nietzsche, un Hitler, qui adorait les animaux, qui n'aime pas beaucoup les hommes. Et Boutang et moi, on n'est pas toujours très amoureux des hommes. On n'est pas très. Parce que ce que l'homme fait à l'homme, on en sait trop. Je vous dis, si on battait cette chienne devant moi, je crois que je craquerais en 15 secondes. Je livrerais. J'ai une horreur de dire ça devant des spectateurs. Mais soyons honnêtes. Alors, je suis ici parce que je ne sais pas comment je me serais comporté devant le Boutang de l'autre côté. Pas vous, nécessairement, le Boutang, l'Action française, le Xavier Vallat, celui qui vous a presque coûté votre vie, la mienne,
Nous étions français, on nous a enlevé la nationalité, vous le savez, en 48 heures, et aux estropiés de Verdun aussi, tout ça, pas besoin de le dire, nous le savons tous. Si quelqu'un peut me dire calmement, je sais comment je me serais comporté, alors je me tais, ou je dis chapeau, ou je ne le crois pas. Personne ne vous dira ça. Il y a... En toute humilité, personne ne peut le dire, hein, vraiment. Bon, alors vraiment. Ceux qui savent comment ils se sont comportés, même le salaud a une connaissance que je n'ai pas. C'est la condition même, hélas, du mandarin, de celui qui a été marginalisé par la violence de l'histoire. Dieu sait ce qui arrivera demain. Attention, on n'a aucune idée. Il y a des rues difficiles aujourd'hui, où on ne descend pas facilement. La ville américaine, pendant la nuit, aux ironies, est un lieu par mille fois plus dangereux que certaines des situations politiques même de la guerre. Mais Boutang, il sait. Et alors, je me dis, très bien, en ce cas-là, il y a une certaine mise en garde, un certain respect, une certaine réciprocité, oui, parlons théologiquement, il y a entre lui et cette connaissance du courage, ou de la violence, ou de la peur, ou de l'angoisse, ou de la haine, il y a une certaine connaissance. Moi, je cherche encore. Et dans les textes que peut-être nous allons discuter sur Abraham et Isaac, les trois jours quand le père voyage avec l'enfant au Mont Moria, qu'est-ce qu'ils ont pu se dire pendant ces trois jours-là? Et c'est là peut-être rien. Rien. Le texte a dit qu'ils ne sont rien dit. Abraham s'est tu. Pourquoi s'est-il tu? Voilà la question. Et pourquoi? On va voir. Parce que Dieu ne lui avait pas dit de se taire, n'est-ce pas? C'est curieux ce motif. Ni de parler. Il lui laissait pleine liberté. Est-ce qu'il n'y avait pas un rapport en deçà de la parole? Est-ce que la parole qui est fondamentale, qui fait votre grandeur, votre travail, et mon travail autant que je puis, est-ce que la parole n'est pas... Il n'y a pas quelque chose d'un peu avant, qui date du paradis et d'avant le péché, qui est quelque chose où la liberté va fonctionner, mais pas encore. Quelque chose qui est l'intimité du rapport entre la volonté d'Abraham et la volonté de Dieu. Et entre la promesse. Ce qui fait taire Abraham, c'est la promesse que Dieu lui a faite. Mais pas une minute, il ne sanctionne et il lui dit « tu as raison ». La parole lui servirait à dire « tu as raison ». Dieu n'a pas raison. C'est pour ça que ceux qui demandent que Dieu a tort de faire ça à Abraham, c'est procès inutile. Dieu n'a ni raison ni tort. Nous aurons à nous demander pourquoi il fait cette épreuve et que veut dire épreuve. Mais nous, d'instinct, la modernité d'instinct essaierait de rassurer l'enfant en lui racontant « on va chez le dentiste, ça ne fera pas mal ». D'instinct, la modernité aurait trouvé la parole. Et la scène, cette scène archétype, c'est un mot prétentieux, mais je cherche, cette scène archétype du parent et du jeune, pas nécessairement l'enfant, mais son enfant, et quel que soit l'âge de l'enfant, c'est son enfant. Ceux qui allaient vers les fours à gaz, vers les crématoires, nous avons là-dessus beaucoup de documents. Il y avait ceux qui le disaient, qui essayaient de préparer leur enfant à la mort, et ceux qui le déguisaient. Les deux réactions sont possibles. Abraham ne dit absolument rien. Et songez à ces trois jours et à ces trois nuits de ce pèlerinage de silence, de ce pèlerinage d'un silence total. Il y a des gens qui pensent que si Dieu éprouve Abraham ainsi, Dieu qui sait qu'Abraham sera sauvé comme son fils et qu'il n'aura pas à obéir, Dieu le sait, ça s'appelle la préscience divine. Elle n'est pas interrompue par ce qu'il dit. Et Abraham ne sait pas ce que Dieu va faire, et par un certain côté, il s'est dit, je ne peux pas, je suis en deçà de ce qu'il peut savoir, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas parler. Jean Val a dit ça de façon merveilleuse, à propos du destin. Mon destin, je vois ton visage, se détournant de tous les êtres pour mieux sentir l'être de tout. Mais il ne peut pas dire qu'il n'est porteur d'aucun message. Abraham sent l'être de Dieu qui est là, qui lui interdit de parler. Il ne va pas justifier. Il espère. En vous écoutant, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la manière dont vous avez déjà parlé d'Antigone. Je veux dire que j'avais profondément ressenti que d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas, il y avait une lecture très chrétienne de votre part, Pierre Boutang,
Essaye de l'être. Quand même, la pénitence, la lumière, etc. Oui. Je veux dire, quand même, le vocabulaire, on savait bien dans quel horizon nous étions. Oui. Je sentais une lecture judaïque qui, je dirais, de mon point de vue, purement personnel, me semblait quand même déjà plus proche du texte original, de la part de George Steiner. Or, lorsque je vous écoute maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette sorte de jeu qui s'instaure entre vous. Et si vous voulez, je vais faire image. On connaît, par exemple, le portail de la cathédrale de Strasbourg. On sait très bien que d'un côté, il y a la synagogue avec les yeux bandés, avec, je ne me rappelle plus si c'est une épée ou une lance brisée, mais enfin une arme brisée. Et de l'autre côté, nous avons l'ecclésia, nous avons l'église. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que là, ça fonctionne un petit peu de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'abîme entre vous, une sorte de convergence et de compréhension très profonde en même temps, parce qu'en effet, c'est quand même bien la même tradition et c'est bien la même révélation, continuer ou non continuer, selon le cas dans lequel vous vous trouvez, et que, en fin de compte, j'ai l'impression de votre part, Pierre Boutang, qu'il y a comme une sorte de récupération de ce scandale dont parle George Steiner, et je dirais même de légitimation de ce scandale. Cette récupération de ce scandale, ça s'appelle la religion chrétienne, figurez-vous, qui a précisé qu'il n'y avait aucune espèce de sens des figures en elles-mêmes, et que la lettre des figures envoyait à un esprit, et que l'Abraham, le sacrifice d'Isaac, c'est le sacrifice de Christ. Et il n'y a aucune espèce de récupération, sinon vous vous dites peut-être que nous le recouvrons. On nous a donné la tâche de le recouvrer d'après le message chrétien. Et le message, le judaïsme ne veut pas. Il se défend et il a raison du point de vue du judaïsme. Hein, que la synagogue soit aveugle. Voici en quel sens vous m'accorderez qu'elle l'est du point de vue d'un chrétien et du Christ. Elle l'est en ceci qu'elle n'a pas reconnu la divinité du Christ. Et que pour nous, tout commence et finit par cela. Ça, c'est le point. Qu'elle soit aveugle n'a rien à faire avec la manière dont on traite les gens qui ne veulent pas reconnaître. Au contraire, tout le monde sait que ce sont les rois et les papes et l'Église qui ont protégé les Juifs, malgré de graves fautes, comme toujours, qui ont protégé les Juifs contre les autres. Que l'antisémitisme criminel est quelque chose de populaire et même de populacier, qui n'a pas de sens. Mais il est tout à fait clair, n'est-ce pas, que cette synagogue aveugle doit, d'après les prophéties, doit se convertir, se transformer, reconnaître qu'elle a eu tort de ne pas reconnaître. Oh, reconnaître qu'elle a eu tort de ne pas reconnaître. Vous ne pouvez pas tout nous prendre, Boutang. Ah, mais je... Allons doucement, car sur obéissant. Table. D'abord, laissons tomber ce mot antisémite, je ne le comprends pas, puisque l'arabe qui veut détruire Israël est le sémite des sémites, puisqu'il y a en ce moment dans une gauche, et en France encore, soi-disant juive, un antisémitisme des plus criards et salopards. Bon, laissons tomber et disons refus du judaïsme. Mettons les choses dans le grand cadre essentiel. Ce n'est pas un accident, cet abîme entre nous. Pour vous, vous dites ne pas reconnaître le Messie, bien sûr, c'est l'alpha et l'oméga de la crise, de la catastrophe. Pour un juif, il n'était pas le Messie. Oui. Pour nous, l'idée d'un Dieu crucifié est un scandale, est une obscénité même, une grande obscénité. Il n'y a eu aucun changement dans le monde, ce n'est pas ça le moment messianique. Vous savez tout ça bien mieux que moi. Et il est concevable, pas pour vous, et soyons tout à fait francs dans nos désaccords. Oui, oui. Il n'est peut-être pas concevable que la chrétienté entière, qui d'ailleurs maintenant s'effiloche devant les églises vides, devant des querelles théologales et théologiques rituelles que vous détestez autant que tout le monde, que cette chrétienté soit une hérésie du judaïsme, comme peut-être l'est le marxisme, comme l'est par certains côtés l'islam, que dans un monde qui n'est pas tellement lointain, les hérésies seront mortes et restera ce petit peuple impossible, résistant, le mystère de cette survie, autre grand scandale, et que l'histoire de la chrétienté touche à son crépuscule. C'est concevable en tant qu'homme qui pense, nous devons penser cette pensée, même si elle vous est inacceptable. Mais je réponds à votre question, ça c'est une question, je suis entièrement d'accord avec vous, à un mot près, aucun Dieu n'a été crucifié pour un chrétien. Il y a deux natures, le Christ crucifié, ce n'est pas le Dieu. La réconciliation des deux natures se fait dans la croix. Vous n'avez pas le droit de dire qu'un Dieu crucifié, vous dites que c'était obscène. J'allais considérer que vous aviez blasphémé. Non, vous avez dit un non-sens, parce qu'il n'y a pas eu blasphème. Maintenant. Le fait qu'un des livres les plus influents de M. Moltmann,
dont tout le monde parle. Le théologien de l'espoir par excellence s'appelle le Dieu crucifié. Pas tout le monde. Vous êtes une église d'une personne, ce qui est merveilleux. Oui. Vous êtes à l'intérieur même du catholicisme. Il y a le mouvement de Bhoutan et c'est une non, des choses... Et le mouvement de Rome. À quoi je vais rester fidèle et je crois tout ce que l'Église enseigne. Une Rome... Y compris même le Concile, quand ça ne me pas, avec qui je ne suis pas d'accord, je crois ce que l'Église enseigne. Mais il n'y a pas de Dieu crucifié. Ce que vous donnez, ça n'est pas possible. Ce qui est crucifié, c'est l'humanité. N'est-ce pas? Et dans ce sacrifice volontaire, dont un homme Dieu, avec un... Nicolas de Cuse est parfait, dans son texte justement sur le Coran. Ah, les réflexions sur l'Alcoran sont une splendeur. On a travaillé en séminaire pendant la moitié de l'année. Bon, mais alors, ce que je veux dire, pour garder le ton juste, je vous dirais que pour Abraham, restons collants à Abraham, que pour Abraham, c'est tellement scandaleux, comme dit Pascal, qu'il faut que ça ait un autre sens. Figure porte absence et présence, dit Pascal. Double sens. Et un sens clair où il est dit que le vrai sens est caché. Il est évident que le vrai sens ne peut pas être... Que quelqu'un tue son fils, il n'y aurait plus, il n'y aurait rien de possible. Ça n'a de sens que comme prélude, que comme prophétie, qui n'a de sens qu'avec le Dieu homme et les deux natures, que comme prophétie de la crucifixion. C'est trop facile. C'est une préfiguration qui ne porte à aucun changement fondamental dans l'histoire. Comment? C'est de la littérature, comme on dit en français. Comment? Je vous réponds. Nous sommes à 2000 ans de l'événement crucial pour vous, et le monde... continue à sombrer dans le sang, dans la barbarie, dans la torture et dans la saloperie, la pire. Alors où est ce changement? Je vais vous le dire. Avec le Messie doit venir un, pour le Juif, doit venir un vrai changement dans la qualité du comportement humain. Oui. Qu'il y ait des individus magnifiques et merveilleux, il en a eu avant le Christ, vous serez le dernier à le nier. Il y a eu des gens qui se sont comportés d'une façon magnifique. Oui. Des martyrs pour la vérité, nous le savons, la phrase du Kierkegaard et d'autres. Où est cette préfiguration, ce changement? Je vais vous le dire. La préfiguration est celle... Il ne faut pas vouloir que le salut soit déjà donné quand il est préparé. Et il y a une longue phase de l'histoire, que ça s'appelle l'Ancien Testament, dans lequel cela est préparé. Faire comme si c'était accompli au moment d'Abraham serait rêver. Tout est fait. Pourquoi est-ce que... Mais pourquoi ce n'est pas accompli au moment du Christ? Pourquoi est-ce que Dieu... Mais c'est accompli. C'est accompli, mais c'est en développement, mais c'est accompli. Je suis persuadé. C'est en développement. Quand vous me dites qu'il y a des saletés dans le monde et des horreurs, je vous dis oui, mais il y a Antigone, mais il y a Jeanne d'Arc, mais il y a des choses... Mais il y a le regard d'un enfant, mais tout recommence chaque fois qu'un enfant naît. Vous le savez bien. Mais il y a des milliards d'enfants... Donc je ne ferai pas la balance. Il y a des milliards d'enfants nés qui ne sont pas chrétiens. Ne cherchons pas le nombre. C'est non, mais qui ne sont pas chrétiens, bon Dieu. Il peut y avoir... Mais bien sûr. Mais vous pouvez trouver la racine et la justification du christianisme dans des choses qui ne sont pas explicitement chrétiennes. Vous le savez comme moi, vous ne faites pas semblant de ne pas savoir. Non, mais ça alors, merveilleuse politique, très belle politique d'accaparement, tout ce qui vous plaît, tout ce qui est l'acte pas. De grâce. Mais non. Non, mais restons avec Abraham. Je vous dis le dogme de l'Église, vous me dites Abraham est un Abraham non interprété, car il y a 18 rabbins, dont vous citez 3 ou 4, heureusement, que j'ai suivi dans l'admirable Rashi, vous savez, ce rabbin qui est du pays de Frossard, là, qui est du pays de... Hein, qui a trouvé des choses si exceptionnelles sur... Je suis la version de Rashi, eh bien, il doit y avoir dans les textes même quelque chose qui manque, quelque chose qui... Et quelque chose qui dit que ça n'est pas comme ça que ça se passait. N'est-ce pas? Et quel soit, évidemment, ça n'est pas comme ça que ça se passait. L'enfant n'a pas bougé non plus sur la route. L'enfant qui n'était plus un enfant, il n'a pas bougé. Il a admis et il a dit à tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, et pas seulement dans Kierkegaard, un rapport tout d'un coup du fini à l'infini qui n'existe qu'à l'intérieur de ma religion, qui est la religion juive pour la partie de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Un rapport du fini à l'infini qui justifie cette soumission devant Dieu, même dans l'idée de sacrifier d'abord, le Fils. Il n'est pas, sacrifier le Fils unique. Il n'est pas certain du tout qu'il y ait dans l'univers quelque chose qui puisse justifier, racheter, réparer, restituer la peur de 3 jours et de 3 nuits d'un enfant ou d'un jeune. Permettez-moi de le dire. D'abord, ce n'est pas certain. Oui. Il n'est pas certain du tout pour vous qui êtes croyants. Nous savons ce qui a été le vendredi saint pour vous. Nous savons l'événement du Christ. Un peu. Vous croyez savoir un peu ce qui a été le dimanche de la résurrection. Moi, je suis le samedi. Quelle histoire humaine. Oui. Il est tout à fait curieux que sur ce samedi, nous ne sachions rien. Je parle en partie en métaphore, mais pas entièrement. Et aucun mythe, aucune crise.
C'est le samedi de l'histoire, de l'immanence. Et quand vous dites développement, quand vous dites développement, c'est votre mot, les victimes de ce développement, les victimes millénaires de ce développement, c'est précisément ceux sur lesquels l'Église s'est abattue et sur laquelle s'est abattue au nom du refus du Messie, une vengeance atroce au-delà de toute. Et il faudrait parler un peu des sources de cette longue, longue métaphore que je situe, mais il y en a d'autres. Mais je vous ai proposé de relire ensemble l'Épître aux Romains. Non, sans vous avoir répondu sur un point précis. L'idée qu'il n'y ait rien le samedi saint est une idée énorme. Demandez à Urson Balthazar que vous connaissez, demandez à, et même demandez à tous ceux qui sont occupés de la polémique de la descente, du vide, de ce moment où le Christ est vraiment mort et n'est pas ressuscité. Comment il ne se passe rien? Non. Cette suspension, c'est qu'il ne se passe rien pour les hommes dans l'attente. Voilà. Bien sûr, mais il y a de longues périodes de la vie où nous attendons sans que tout soit fait, où nous sommes fatigués, où nous souffrons, où la souffrance paraît n'avoir pas de sens. Mais si nous sommes impatients, comme vous l'êtes, alors à ce moment-là, nous ne voulons pas subir, car nous soupçonnons que ça continuerait comme ça. La foi consiste à dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Ça continuera autrement. Et ce qui apparaîtra, ce sera l'acte. Ça ne sera plus subir, ça sera agir. Cette contemplation du divin, c'est une allégresse perpétuelle. Mais ce samedi, c'est l'histoire humaine telle que nous la vivons et telle que nous la connaissons. Mais vous jonglez avec les milliers et millions d'années. Moi aussi, il m'arrive de faire ça, mais je n'y crois pas au fond. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un jour ou des milliers d'années? En réalité, en dernière analyse, du point de vue d'Antigone et du point de vue d'Abraham, ça n'a aucune importance. Car le temps peut tout d'un coup se ramasser ou s'étendre de manière terrible. Mais dans les deux cas, ce qui se passe, ce qui est en acte, ce par quoi la puissance se développe vers l'acte, qui s'appelle la foi, et qui s'appelle l'espérance, la foi qui est la certitude des choses invisibles. Car il y a eu tout de même, vous me dites, il ne s'est rien passé, mais l'histoire pour moi se ramasse dans les saintes femmes et dans Saint Jean et dans les gens qui étaient auprès, ceux qui ont réclamé le corps et qui attendaient et qui voulaient voir ce qui s'est passé. N'étaient pas impatients. N'étaient pas impatients les millions dont nous ne pouvons pas réclamer les corps parce qu'ils ont été faits cendres au milieu d'une Europe soi-disant, et nous sommes d'accord là-dessus, je le sais, chrétienne, soi-disant, Pas chrétienne, cette Europe, souligne. C'est une Europe de menteurs et de libéraux. C'est une Europe où on a triché, nous le savons tous les deux. Je souligne, soi-disant, je sais qu'il n'y a pas là entre vous et moi, Pauline. Mais n'étaient pas impatients ceux pour lesquels n'est venu ni sauveur, ni cri, ce qu'aurait été l'histoire humaine si, par exemple, et on ne va pas entrer dans le détail diplomatique, je ne suis pas historien, si un Pie XII, je parle métaphoriquement pour que nous puissions voir quels sont nos abîmes entre vous et moi, ces pierres dans nos chaussures, car pas nous la portons tous les deux. Pas nos abîmes, bon, nos fossés, nos écarts, si vous voulez. Songez que si un pape avait dit, devant Auschwitz, devant Treblinka, il n'y a plus d'église possible, parce que, comme dit Pascal, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. C'est là qu'est une église. Pendant cette agonie, nous ne pouvons pas avoir une structure qui est une église. Une structure, mais l'église, le pape disant qu'il n'y a plus d'église, c'est une absurdité, que voulez-vous? Le pape, c'est justement quand le Christ est en agonie qu'il y a une église. Cette église n'est pas l'église des puissants, cette église... Mais non, il y a pleinement l'église. Elle n'est pas ça. Elle est l'église des pauvres. Elle est l'église des pauvres et des souffrants. Simone Veil a bien compris ça parfaitement. À ce moment, il est merveilleux que vous citiez toujours la juive qui se convertit au catholicisme. Mais d'abord, elle ne s'est pas convertie. Vous devriez savoir, et vous savez, qu'elle ne s'est pas convertie, elle n'a pas franchi le pas, pour les raisons que vous donnez. Toujours comme avec Bergson, on en a déjà parlé, cette question de la dernière heure, elle est très curieuse et compliquée. Capitale. Elle est capitale. Pensez à la nôtre. Supposez que j'ai un accident cardiaque. Qu'est-ce que vous faites dans les minutes qui viennent? Vous savez ce que vous faites. Moi, je ne suis pas encore sûr du tout. J'y ai pensé, j'y pense toujours. Mais revenons un peu à Saint Paul et au passé. Oui, votre texte. Le vôtre. Oui. Le vôtre, avant tout. Si je comprends, et déjà c'est une phrase bien trop osée, si on... sens, si on essaye de vivre ces textes, et il y en a aussi dans les pères d'Église, vous le savez très bien, le refus du Messie
par le peuple juif, entraîne la catastrophe de l'histoire. Les yeux bandés de la synagogue à Strasbourg, la lance brisée, l'Ecclésia en face, si je comprends bien, vous êtes l'otage de notre refus. Il y a un sens dans lequel le fait que le juif n'entre pas dans l'Ecclésia, saint Paul le dit, a, comment dirait-on, dérouté, non c'est le faux mot, le temps, a infléchi le temps, je cherche un verbe très puissant, la flèche du temps, son vol n'a pas été le vol. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec une demi-seconde, le refus, Pascal le dit encore mieux, si j'ose dire, votre refus, le refus de la synagogue, heureusement ils n'ont pas compris, dit Pascal. C'était prévu qu'ils ne comprissent pas. Car si leur refus est le fondement de notre croyance, que la synagogue est refusée, n'est-ce pas, est justement ce qui était prévu par les prophéties, ce qu'on pouvait attendre, et ce qui faisait donner un sens plein à notre foi. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? Et ça doit finir. Ben, il s'ensuit empiriquement. Qu'est-ce qui s'ensuit comme action chrétienne? Lorsqu'il s'agit de ce que vous allez faire, ce n'est pas toujours empirique. Lorsqu'il s'agit de l'autre, vous parlez de empiriquement, qui est un mot de polémique. Empiriquement, ça veut dire son expérience. Tout est d'expérience, intellectuelle, sensible, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce qui s'ensuit de très précis, c'est que nous devons persuader les Juifs comme nous le pouvons, n'est-ce pas, que le Christ est bienvenu sur la terre. Tirons les choses au clair. Essayons. Ou si vous pouvez tirer les choses à l'obscur. C'est ce que nous sommes en train de faire, d'ailleurs. Oui, bon. Alors, pour un juif même très croyant, certainement pour un juif qui, comme moi, cherche, ou qui est à moitié à l'intérieur, à moitié, ce qui est le pire comme situation, le monde des camps de la mort met en question, je dis pour le juif, laissez-moi juste parler un instant, met en question la possibilité même non seulement de la venue éventuelle d'un Messie, parce que nous sommes un peuple profondément éthique, historique, trop peut-être, historisant, et on dirait au Messie, je vais dire une insolence, tu viens trop tard. On ne veut plus de toi, merci bien, vraiment tu t'es rendu la tâche trop facile. Antithéos. Oui, antithéos. Tu viens trop tard après Auschwitz, merci de ta courtoisie. Une possibilité. Ça, ce n'est pas la chose la plus grave. La chose la plus grave, c'est le procès que le judaïsme, dans les camps, des rabbins, on fait un procès à Dieu. Si tu ne nous aides pas devant les portes, les chambres à gaz, des fours, tu n'es pas, ou ce qui est beaucoup plus précis, tu n'es pas à la portée de la souffrance humaine. Et la souffrance humaine est plus grande que ta compréhension de cette souffrance. Donc, laissez-moi dire tout d'abord, qu'hormis pour certains ultra-orthodoxes, très à l'abri, à Mea Shearim, dans certaines communautés américaines, ultra-ultra, qui n'admettent, pour ainsi dire, même pas l'histoire ou l'Holocauste, ou d'une façon tout à fait seulement allégorique, hormis cela, pour un juif, pour un survivant, nous le sommes tous aujourd'hui, pour un survivant, la question de ce que c'est le Dieu du judaïsme, est-ce que Dieu, est posée d'une façon comme jamais encore. Est-ce que, pour un catholique comme vous, le monde des camps de la mort ne pose pas la question de vos croyances? Non, je ne comprends pas. Une minute, et je vais vous dire pourquoi. Pas une minute, et voilà vous la différence. Vous allez m'expliquer. Parce que vous gardez cette idée qu'il y a eu un peuple élu, et, n'est-ce pas? Or, il y a, je sais moi, qu'il y a un peuple élu, et que s'il n'y avait pas eu ce peuple élu, il n'y aurait pas de christianisme. Mais il a été élu en un sens qui n'est pas celui dans lequel s'est obstiné le judaïsme. N'est-ce pas? Alors, le mal, vous posez, si nous ne pathétisons pas que le problème du mal, car l'existence et la liberté de Dieu se posent tout autant devant la souffrance injuste d'un petit enfant, ce que dit Dostoïevski. Il ne s'agit pas de nombre, il ne s'agit pas d'appeler l'Holocauste au secours, ni une race, ni plusieurs races. Il ne s'agit pas non plus de vous reprocher de parler de Pol Pot et pas de Hitler. Et si vous n'en avez pas parlé, c'est justement pour ça, parce que vous ne voulez pas qu'il eût un privilège et une privacité, quelque chose qui vous concerne à ça. Non, mais il s'agit seulement du mal. Comment Dieu rend-il le mal possible? Question dans laquelle nous sommes jusqu'au cou, le monde infect que nous avons, considérons-le comme il est et refusons-le en vue de sa transformation divine. Je vous en prie. D'abord, il est parfaitement exact qu'à une échelle assez abstraite, un Socrate, un Kant, je ne sais pas, un personnage presque imaginaire à la limite de l'humain, souffre également de toutes les souffrances. Pour vous, le Christ souffrirait de Pol Pot,
tout autant que des souffrances de Bethléem. Absolument, c'est l'homme. C'est l'homme. Adam. Qu'il y ait, donc, vous travaillez Adam, même qu'il y ait cette vision merveilleuse, nihil humani alienomni, il n'y a rien d'humain qui ne me touche pas, mais c'est trop facile. S'il ne faut pas dramatiser en privilégiant les souffrances qui nous sont intimes et propres, oui. Et vous avez parfaitement raison, il ne faut pas dissoudre, il ne faut pas, comme un très doux savon un peu parfumé... Ouh, ça nous ressemble, ça, tiens. Tiens, un instant sur la planète entière, en disant toutes les souffrances se vaillent parce que l'Holocauste est... Là, je fais un instant avec vous, j'espère, un moment de philologie. Holocauste est un très beau mot, un mot grec très noble, qui veut dire un remerciement. Je dis Shoah, qui est le vent noir, le vent de la mort, qui est l'odeur du gaz. Bon, le Shoah, c'est votre affaire et la mienne. Mais ce qui nous concerne, vous et moi, qui parlons des langues européennes, qui sortent d'une tradition hellénique, judéo-chrétienne, qu'est-ce qui a raté ? Je m'exprime mal. Qu'est-ce qui a été, où a été la faille catastrophale qui a empêché la chrétienté de réagir efficacement à l'horreur? À une horreur qui se rattachait en partie au mythe du déicide, en partie à la grande thématique du refus du Messie. Qu'il y avait là une vengeance. Qu'est-ce qui a empêché? Vous m'avez posé une question. Alors ma réponse est simple. Ce qui a empêché qu'une réaction efficace à l'horreur, c'est l'horreur. Et que l'horreur avait ses complicités et ses racines dans l'accumulation, l'entropie du péché et de la faute, hein, de plus en plus lourde, et l'incapacité de répondre, y compris dans l'Église. Que le poids de l'Église était tel. C'est pour ça qu'à l'intérieur de l'Église, une réforme, je ne pense pas du tout à la réforme protestante, ni à Luther, ni à tout ça, mais une réforme qui doit se faire constamment, ça a été quelquefois dans la contre-réforme, doit transformer du dedans cette Église pour la rendre sensible à l'horreur, est-elle pour qu'elle ait une réponse à cette horreur. Mais cette réponse peut être parfaitement inconnue jusqu'à la fin des temps. Les temps dureront jusqu'à ce qu'il y ait un nombre, celui qui est voulu par Dieu, de justes qui seront sur le livre divin. C'est scandaleux pour nous que des gens m'ont dit à la fin d'un cours, je me souviens, un grand amphithéâtre, disant, mais le mal, mais comment pouvez-vous? Je répondais, occupe-toi de ta soupe. S'il s'agit d'un calcul et d'efficacité, et occupe-toi de les sauver si cela dépend de toi, si tu es dans la proximité. C'est toute la question du mot prochain. Ce qui a empêché, c'est la quantité de l'horreur, son accumulation, et c'est évidemment quelques mystères dans la volonté de Dieu, mais le mystère de la volonté de Dieu ne met pas en cause une seconde son existence. Mais au début de notre dialogue, de notre discussion, et elle n'est pas aisée, pourtant. Elle n'est pas achevée. Et j'ai rendu hommage, et de tout cœur et âme, à ce que j'aime profondément en vous, ce courage. Mais ayez le courage, bon Dieu, de dire que pour vous, la disparition du juif serait finalement la validation de ce que dit à la fois l'Épître aux Romains, elle ne dit pas ça d'abord, tout à fait. Il faudra définir disparition. C'est sur ça qu'il faut maintenant que nous nous mettons au clair et en clair. Non, mais vous m'avez dit, bon Dieu, alors j'ai le droit de vous répondre là. Non, soyons conséquents. Eh bien, vous m'avez dit d'être conséquent et de vous dire, si je considérais que la disparition du juif était une bonne chose, du juif ou du judaïsme, je vous dis non. Je vous dis que seul Dieu sait comment cela pourrait disparaître. Je vous dis que je ne serai pas témoin de cette disparition. Je vous dis que je n'en serai pas auxiliaire, et je vous dis en plus que votre question est désobligeante. Bien sûr, elle est désobligeante. Elle est désobligeante. Mais elle m'oblige à vous dire que c'est faux. Que vous avez à la fois ma parole et mon honneur, c'est faux. À aucun moment, je n'ai pu vouloir. D'ailleurs, on ne peut vouloir la destruction de rien qui soit de l'esprit. Tout être qui vise à la destruction des corps, bien sûr, c'est trop bête. Mais à la destruction de l'esprit, quelque chose qui touche à l'esprit est misérable. On ne peut qu'avoir pitié de lui. Donc votre question, non seulement est désobligeante, mais elle n'a pas de sens pour moi. Elle détruit dans les termes mêmes ce qu'est l'esprit. Quelle est l'attente théologique de l'Église au portail de Strasbourg? Qu'est-ce qu'elle attend? Je vous ai accordé que le portail de Strasbourg, ce n'est pas un dogme, le portail de Strasbourg. Non, c'est une image. C'est une image, c'est un symbole. Eh bien, s'ils attendent ça, l'attente, ça serait évidemment d'enlever le bandeau. Ou que la force de Dieu... Ce serait la conversion. Appelons, c'est un trop grand mot. Convertir, c'est se tourner. On ne demande pas à la synagogue de se tourner consciemment. D'ailleurs, à mon avis, c'est en train de se faire.
on demande, comme dans les ténèbres d'Antigone dont vous parlez si bien tout à l'heure, que c'était où je l'ai lu en vous, on demande que ces ténèbres, ce noir, se fassent transparents, que la lumière y apparaisse, et on ne sait pas si les ténèbres ont percé la lumière ou si la lumière a pénétré les ténèbres. On demande la transparence réciproque. Vous voyez, sans aucune ironie, sans aucune, c'est beaucoup trop grave. J'essaye de me demander ce que serait votre situation, votre foi, s'il y avait le miracle de l'entrée du peuple d'Israël, mettons, dans l'Ecclésia. Alors, s'il se produisait ce que vous dites, ce ne serait pour moi qu'une grande joie, n'est-ce pas ? Et une grande joie qui n'était pas imprévisible, car ça veut dire la même chose. Enlevez le bandeau de la synagogue, vous voyez la conversion des Juifs, c'est pas conversion, mais bien sûr, comme notre foi est toujours limitée, quoi que nous disions, le fait que les Juifs se convertiraient, et cette grande unité, nous ferait prendre conscience que notre foi était incomplète et qu'elle était en partie, l'obstacle, la raison de la non-conversion. Nous n'allons pas, et ça serait un manque fondamental, je crois, de vérité et de respect réciproque, bon fond, nous n'allons pas nous convaincre, je vous adjure, de permettre comme hypothèse de travail. Oui. C'est tout. C'est vraiment une litote, une hypothèse de travail. Faites-moi le plaisir de me... Allez. Une hypothèse que le monde des camps de la mort a été un examen, oui, je vulgarise, une colle, puisque nous sommes tous les deux d'un monde de la pédagogie que Dieu a posé au monde chrétien, et vous avez eu zéro pointé. D'abord, il y a des gens qui ont répondu, des chrétiens, qui ont répondu quelque chose à des gens en chemin pour le faux crématoire, et qui y allaient eux-mêmes, ou qui ont assumé, quelqu'un a été récemment canonisé ou béatifié, je crois, pour cela. Donc, on peut imaginer l'héroïsme qui est Antigone pré-chrétienne au point supérieur. Et chrétienne, donc, si vous l'admettez, il y a déjà un progrès. Ensuite, pourquoi voulez-vous que j'accepte une hypothèse quand je vous ai dit que, non pas dans le choc émotif et dans le retentissement, et je n'en veux pas aux gens qui sont sensibles à la quantité de la chose, ils sont comme ça, mais c'est aussi grave quand il s'agit d'un mal et de la souffrance d'un enfant. Et je vous dis que c'est une chose qui, tout le temps qui se passe, tant que ce problème n'est pas résolu, et problème, ce mystère n'est pas élevé, comme dit Bossuet, tout le temps qui passe et du temps qui a une unité complète, il y a le temps d'avant la promesse, il y a le temps entre la promesse et la passion, et il y a in via le temps pendant lequel se développe cette passion et pendant laquelle la foi essaye de bâtir tout en ayant tout le choc, tout le poids sur les bras. L'Église, vous pouvez la regarder comme une vieille salope par certains côtés qui a toléré les choses dont vous parlez. D'un autre côté, c'est Mater Dolorosa. Elle porte le corps des malheurs du monde. Et vous devez le savoir. Elle l'a porté, elle le reportera peut-être encore. Elle n'a pas dit son dernier mot. Et je demande à voir ça. Et nous pouvons, par notre compréhension de ça, y aider. Aussi, le judaïsme n'a pas dit son dernier mot. Voilà, j'étais en train de vous le dire. Ce ne sera pas un mot de colère ni de haine. Sera ce dialogue ? Pour nous rattacher un instant, nous sommes tous les deux d'accord, à Antigone, il y a, sans privilégier, il faut totalement raison, ne privilégie pas une horreur, ça serait vraiment une obscène, il est de nouveau le mot obscène, qui est important. Oui, néanmoins, qu'il n'y ait pas de tombe pour des millions et des millions, dans un moment moderne, pour revenir à Antigone, qu'il n'y ait même pas une cendre, c'est une chose qui restera, je crois, dans notre histoire. Exigeons, battons-nous pour ça. Mais que ça n'ait pas été à un moment, vous savez, il a fallu du temps pour que l'Église comprenne que Jeanne d'Arc n'était pas ce que Cauchon voulait dire. Et ce temps, ça, vous pouvez, les gens qui l'ont vécu et qui sont morts avant la canonisation de Jeanne d'Arc, ils sont devant l'éternité, ils pourraient crier, ils pourraient être impatients. Non, parce qu'eux, ils savent. Mais nous, nous sommes impatients parce que nous pensons, nous voulons que tout soit accompli. Et peut-être chaque fois, il y a un retardement. Donc nous sommes coupables, Dieu fait exprès, fait durer, fait traîner pour nous éprouver. Pourquoi nous éprouve-t-il ? Parce que son mode d'éprouver, alors qu'il sait, implique que ce n'est pas dans un temps autre que la chose va être répétée. Le temps autre, c'est du néant, ça n'est rien. C'est dans le temps de ce dont il est question. C'est dans le temps de la promesse, n'est-ce pas ? Qu'il peut y avoir développement du chemin, il y a des hommes. Je ne peux pas développer ça, vous le savez mieux que moi. Un chemin qui est
horreur à ce point-là, peut-être dépasse-t-il non seulement notre compréhension, mais pour beaucoup de nous, il dépasse ce qui nous reste de brin de grâce, c'est-à-dire d'essayer de vivre la promesse. Et vous refusez. Je refuse de dire ça parce que la grâce, nous l'aurons si nous l'espérons, n'est-ce pas? Nous l'aurons, elle nous sera donnée. Vous savez, l'impatience devant l'injustice. Nous y revenons à l'impatience. Elle est vraiment le thème de nos deux. Mais oui, mais bien sûr, il y a de quoi devenir furieux. Les gens répètent des choses fausses et qui vous blessent ou qui veulent vous détruire. Et vous ne pouvez rien contre. Vous commencez à apprendre la patience par l'impuissance. Et puis tout d'un coup, en vieillissant, vous apercevez que même si vous pouviez, vous n'y changeriez rien. Car cette épreuve fait partie de la manière dont Dieu nous tâte, nous juge. Et en nous tâtant, vous avez l'expérience, pour exposer à l'épreuve, il faut retourner la pièce. Quand vous L'Ancien Testament peut-être aide un peu plus que le vôtre parce qu'il connaît d'immenses colères de Dieu. Voilà. Et la colère aussi a ses droits. Cabode. Et, de dire devant certaines réalités, je ne veux pas les comprendre, c'est pas la pire des réponses. Très beau. Elle a sa dignité. Je suis pour. Magnifique. C'est dans Aristote. La colère est une mise en scène. Il est bon de se mettre en colère. Il y a deux sortes de colère. Celle qui est impatiente et qui vous détruit, et la colère qui veut faire avancer. La colère moitié simulée, vraiment éprouvée, bien sûr, mais un peu simulée, parce qu'on ne tolère pas ça. C'est une colère pédagogique. Vous avez cette colère pédagogique dans un temps où il n'y a plus de professeurs, ou de moins en moins, et où il faut bien prendre les grands moyens. Alors prenons la colère. Moi aussi, je peux me mettre en colère contre vous, et vous contre moi. Mais je m'en fiche, je ne suis plus, je n'ai plus un brin de colère au fond de mon cœur. Je ne le crois pas, mais... Si vous voulez, là quand même, il y a quelque chose moi, que j'aimerais comprendre. Hein. Parce que dans ce que vous dites, Pierre Boutang, moi, tel que je le ressens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de volonté, je dirais, sans arrêt, et qui peut-être d'ailleurs est fondamentale dans le christianisme, sans arrêt de justifier Dieu, de légitimer Dieu. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous, sans arrêt aussi, vous vous servez du mot de mystère. À chaque fois que Georges Chastelier vous dit quelque chose, c'est le mystère de Dieu. Donc finalement, tout ça, d'une manière ou d'une autre, je dirais d'un point de vue au-delà de l'histoire, tout ça finira par s'arranger parce qu'on finira par comprendre. C'est ce que j'ai senti. J'ai l'impression que Chastelier le sent un petit peu comme ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble, quand je lis la Bible, il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de choses centrales. Je voudrais qu'on revienne à Abraham. On pourrait parler aussi bien du livre de Job, par exemple. C'est que, je dirais, ce que quand même pose la Bible, c'est qu'il y a des moments où Dieu est totalement incompréhensible. On parlait de scandale. Effectivement, l'homme ne peut plus rien ni comprendre. Et là, on n'est plus dans le mystère. On est effectivement dans... Non, à la limite, on est dans Dieu. On n'a plus envie de croire en toi. On ne peut plus croire en toi. Parce que vous êtes fait comme ça, ça n'est pas légitime. C'est vrai, je vais vous dire pourquoi c'est faux. Attendez. Oui. Lorsqu'on lit le livre de Job, c'est quand même bien ça. Lorsqu'on voit le sacrifice d'Abraham, c'est bien ça. D'ailleurs, dans un texte absolument très très beau qu'a écrit Georges Steiner, au commentaire, qui vient de paraître au 10 de minuit, il dit bien comment, finalement, il y a, je dirais, colère de Dieu vis-à-vis d'Abraham, parce qu'Abraham a douté. Et parce qu'Abraham a douté, parce qu'effectivement, il était dans l'absurdité. Steiner, il sait bien qu'il y a d'autres façons d'expliquer. J'aimerais bien que Georges Steiner s'explique dessus, quand même, si vous voulez bien. Enfin, c'est lui qui agresse, là, pour le moment, c'est moi qui défends. Alors, j'ai le droit de défendre. Ah, mais défendez-vous, c'est par rapport à ce que j'avais dit. C'est par rapport à ce que j'avais dit que vous avez posé la question. Alors, je réponds par rapport à ce que j'ai dit. L'idée de l'arrangement est une idée contraire. Non, d'accord, mais pour aller vite, simplement, je trouve que le mystère, souvent, ça arrange bien les choses. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que le mystère. Vous l'acceptez pas, mais vous n'avez pas réfléchi. Le mystère n'est pas l'inintelligible et n'est pas l'absurdité. Le mystère est quelque chose qui, dans la lumière du rapport du fini à l'infini, apparaît comme devant se développer dans une histoire, mais qui n'est pas l'histoire du déjà donné. Le mystère, c'est ce qui oblige à ouvrir l'histoire. Mais ça, c'est de la métaphysique. Il faudra en faire. Mais il faut en faire. Faites-en. Je me trouve entre deux citations. Et là, je rejoins beaucoup Boutang. Nous aimons tous deux citer parce que nous aimons l'autoritas. L'autorité, c'est aussi la création. Et comme vous, je me trouve entre deux citations. Kant dit, si il y avait une voix qui a dit à un père de sacrifier son seul fils, par définition, c'est une voix du démon, ça ne peut pas être la voix de Dieu. Kierkegaard, qui est pour moi presque le juif le plus juif, il y a là quelque chose de très troublant. Kierkegaard dit, c'est le contraire. Si une voix ose te dire, tu sacrifies ton seul fils, ça prouve que c'est la voix de Dieu. L'abîme entre le fossé,
La douleur, oui, la douleur entre Boudang et moi, elle se situe entre ces deux citations. À cause du monde d'Auschwitz, c'est Kierkegaard pour moi qui a vu vrai. J'essaye de dire dans commentaire une chose que des lecteurs juifs, croyants, orthodoxes, ont trouvé, mais tellement inacceptable, que tandis que je peux dialoguer avec Boudang, je ne peux pas dialoguer avec eux, ce qui est un paradoxe, mais un paradoxe nécessaire. J'ai dit que du fait qu'un enfant se sache juif, il peut savoir que son père va le tuer. C'est une chose, c'est la fin de tout espoir, de tout espoir, à cause d'Abraham et d'Isaac et d'Auschwitz, où le père a pris l'enfant par la main, souvent, pour l'emmener à mort, a dû le prendre par la main. Alors, pour Boudang, si je comprends bien, c'est le démon, Dieu qui sait d'avance qui va sauver l'enfant, ne demande pas ça à un père. Moi, je sais qu'il l'a demandé et qu'il n'a pas sauvé l'enfant et qu'il ne sauve pas aujourd'hui et qu'il ne sauvera pas dans la rue demain, devant nous, devant l'accident. Je ne parle plus du tout des fours. On parle de la rue demain, de l'hôpital cet après-midi. Oui, oui. Et mais, là, mais je crois que le cas d'Abraham est unique. Et Abraham, et si, ah mais c'est les textes, ça. Le cas d'Abraham est unique, il est unique, averti. Ton fils unique, le seul, celui que tu aimes. Et à partir de cela, tu seras, il y aura un grand peuple. Est-ce que ça... Parce que tu as fait ça, parce que ta volonté, parce qu'une fois, ta volonté, Abraham, a été cette volonté. Et parce qu'une fois, cette volonté a rencontré dans ton fils l'acceptation la plus totale, la plus anti-humaine, empirique, à cause de ça, il y a un avenir spirituel fantastique. Mais ce n'est pas spirituel dans l'Ancien Testament, d'après le texte. Il y aura un avenir pour ton peuple. Mais ton peuple, ça veut dire pour le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, nous ne savons pas ce que Pierre c'est. Boutin. Ce sont les noms qui sont inscrits au livre final. Parlons figure. Oui. Dieu le Père, chez vous. Oui. Laisse mourir atrocement son fils. Ce sont des paradoxes qui sont, ils m'étonnent de vous. Attendez. Attends. Je ne dis pas pour vous agresser, je ne dis pas un paradoxe, agressif. Non, 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 il est utilisé d'habitude comme agressif. On parlait de préfiguration, oui, c'est ça. Sans agression. Oui. Alors, Abraham est une préfiguration Abraham de la mort possible de l'enfant. Oui, car le père, bien sûr, Dieu a donné son fils unique. Comme Abraham allait donner Isaac. Parce qu'il a tellement aimé les hommes. Mais quand il a donné son fils unique, et c'est une vraie, c'est un mystère qui ne peut se résoudre que parce qu'il y a les deux natures. Il faut lire Nicolas. Comme il y a les deux natures, alors j'ai l'air d'expliquer et d'arranger, mais il faut bien que je dise, je suis bien obligé d'indiquer les termes. Eh bien, comme il y a les deux natures, le Christ est crucifié et Dieu a permis. Non, ça ne pouvait être que cette mort-là. Et il l'a toléré, il l'a admise, mais il sait la résurrection et il sait que cette résurrection fonde le renouvellement de son pacte, le renouvellement de l'alliance. L'alliance, il y a eu une alliance, vous savez, il y a eu celle de la Pentecôte. Je sais, il serait impertinent de ma part, et combien, d'avoir avec vous même l'ombre d'une dispute théologique, mais fois Dostoïevski et d'autres très grands témoins chrétiens ont cru à une mort absolue du Christ. Oui, mais ils ont tort. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas catholiques, ils ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont pas catholiques, c'est très beau de Dostoïevski n'est pas catholique, ça veut dire qu'il a la foi universelle. Mais... Dostoïevski est un des plus grands chrétiens, un homme malheureux, et qui a dit toutes sortes de bêtises en matière de théologie. Qu'est-ce que ça peut me faire? Ayant une discussion théologique. Et je vous dirais que pour un chrétien, l'idée du Dieu crucifié et que le Dieu soit mort, Dieu n'est pas mort. Ce sont des choses païennes, ça. Mais chez les païens, quand on taquinait la muse comme ça, on pouvait raconter ça. Et je ne veux pas, à l'approche de la fin de 2 heures de discussion, je ne veux pas faire ce qu'on fait beaucoup trop dans les tables rondes de la télévision, faire susciter, sortir comme un deus ex machina, et c'est le cas de le dire, je ne veux pas que suscite ou que surgisse un accord qui soit faux. Non. Mais il y a entre nous quelque chose qui nous unit profondément. Depuis 2 heures, nous parlons sérieusement de texte et de la question est-ce qu'on peut lire sans parler de l'existence de Dieu ou du rôle de Dieu. Nous sommes parfaitement d'accord et ça nous isole, je crois, en ce moment, devant le monde du goût et de la sensibilité qui prévaut dans l'acte de l'analyse littéraire, de la discussion philosophique, même esthétique, il y a quelque chose qui m'émeut profondément, qui m'émeut toujours dans votre œuvre, et j'espère que vous la sentez dans la mienne. Tout d'un coup, il se trouve que pour nous, la question du verbe, du logos, et je me demande si nous ne sommes pas dans une culture qui serait, au sens propre du mot, une postface, un épilogue, quelque chose, je vais maintenant plus parler théologie à l'instant, je veux
peut-être un instant de détente humaine entre nous. Et puis l'autre temporel, hein, parce que... Et l'autre temporel. Maintenez la contemplation. Comment est-ce qu'il va rentrer dans l'éternel? Croyez-vous qu'on parlera comme nous avons essayé de parler? Va-t-on lire comme nous essayons de lire? Va-t-on citer? J'ai eu cette expérience qui a été, pour moi, bouleversante, par hasard, en 68, une conférence à Francfort, lors des débuts des grandes insurrections. Et c'était une conférence, ça le rend encore plus mystérieux, sur Walter Benjamin, un des penseurs textuels messianiques les plus profonds de toute notre culture. J'avais commencé à citer un poème de Murray, et tout d'un coup, un des jeunes me hurle, même pas très agressif, presque amical, « Ici, M. Stenner, on ne cite plus. » Alors j'ai posé mon manuscrit et j'ai dit, « On va discuter cette phrase. Elle est tellement importante. Ici, on ne cite plus. C'est la fin de notre culture en Occident, comme nous l'avons connue plus ou moins depuis les présocratiques qui aimaient se citer et se mal citer les uns les autres. Croyez-vous qu'il y aura, sans une vie théologique active, encore la possibilité d'une grande poétique ?» Sans théologie, je crois qu'il n'y aura plus de poétique, mais je crois qu'il y aurait plutôt le jugement dernier. Je crois que jusqu'au jugement dernier, la totalité de la culture, c'est-à-dire la réflexion sur l'acte fondamental du langage, et plus singulièrement, le mystère, il y a une notation, quand vous parlez de Benjamin, dans votre livre sur la traduction, et j'ai trouvé avec joie dans Babel, j'avais trouvé des rencontres avec vous, écrivant cette poétique que j'ai fini maintenant d'écrire, je pensais que lui croit qu'on peut traduire rigoureusement, presque dans n'importe quelle langue, à cause des semences universelles du Logos qui sont... De la langue d'Adam. De la langue d'Adam, voilà. Et je suis de cet avis. Et je pense qu'à cause de ça, surtout le poème. Car c'est dans le poème que le rythme, si vous vous réveillez à la nuit en récitant un vers d'Antigone, n'est-ce pas, quand vous êtes particulièrement des gens un peu vieux, fatigués, et qu'au milieu de la nuit ça vous réveille, que vous avez ça, et que vous le dites et le prononcez entre le sommeil et la veille, comme il devait être prononcé, ça fait même un alexandrin sauvé de sa douleur et de ses insuffisances, alors c'est qu'il y a une continuation possible à l'avenir. Moi, je crois absolument à cet avenir, tant qu'un petit enfant apprendra sa langue maternelle et saura qu'il y en a eu d'autres, qu'on s'est rencontrés à Babel, qu'on n'a pas eu la sagesse de se mettre d'accord et de rester ni juifs, ni ceci, etc., tous ensemble. Ceux qui sont restés le plus près sont justement, c'est Hébert, c'est les juifs qui sont restés le plus près. Hein. Les autres se sont mis à cavaler de tous les côtés et à déraisonner. Mais tant qu'on saura qu'on est parti de Babel pour aller à travers le monde taquiner le divin, il y aura une chance de culture véritable, de culture à la fois théologique et poétique. Dialogue et pas épilogue. Je crois que c'est un dialogue et une renaissance, mais alors ça sera encore plus pénétré de théologie. Ça ressemblera beaucoup plus à la Bible et aux versets qu'à la poésie, au sens des triolets, des acrostiches, de la mauvaise petite poésie.